Fais des murs avec des blocs de polystyrène. Recouvre les morceaux des images de grès imprimé. Dessine sur du polystyrène fin des éléments du toit. Sépare les pièces. Colle-les ensemble. Voilà, on a déjà le cadre. Coupe le bout de plusieurs brochettes en bois. Peins-les en bleu. Et colle-les sur les murs. Des baguettes nous seront aussi utiles. Maintenant, on a un toit. Recouvre un grill de papier d'alu. Pétris de la pâte à modeler. Étale-la sur la surface texturée du grill. Peins-la en marron et donne-lui un aspect vieilli. Et fixe le toit. Super ! Maintenant, le toit ne risque pas de tomber. Coupe des pailles comme ceci. On a fait de petits cylindres. Colle-les sur la jonction du toit. Et peins-les de la même couleur que les tuiles. Et voilà! Étale de la pâte à modeler et découpe la forme d'un cadre de fenêtre. Sculpte-la comme ceci. La famille Madrigal a dépensé beaucoup d'argent pour avoir ce genre d'éléments. Polis-les soigneusement. Demande à tes parents de t'aider. Peins les cadres en vert. Et fixe les parties de volets sur la fenêtre. Les fenêtres remplissent la maison de lumière. Réalise d'autres murs en polystyrène. Hop! La tour a été peinte en rose. Le pourtour en bois et le toit sont apparus. Recouvre une pièce pour faire une grande fenêtre avec de la peinture de la même couleur. On remarque de la lumière derrière la vitre. Elle vient d'une bougie magique. Oh, Cassita! L'autre bâtiment se compose de deux couches de polystyrène. La partie supérieure de la tour est un peu plus petite. Mais elle a aussi des pourtours en bois, un carré de planche et un toit. Fais une fenêtre arquée dans du polystyrène fin. Il y a aussi de petites fenêtres au sommet de la tour. Fixe la grande fenêtre sur le mur du devant. Une grille en fil de fer décore le sommet de la fenêtre. Ajoute un autre élément architectural. Ça rend vraiment super! Il y a des poutres en bois en polystyrène installées dans les coins. Elles sécuriseront la maison. Couvre chaque poutre avec des petits morceaux de toit triangulaire. On a fait une tour très originale. Des morceaux de polystyrène fin ont été assemblés pour former une base inclinée pour le toit. Et voici la tuile du toit. Maintenant, cette partie de la maison sera protégée de la pluie. Mets un morceau de pâte à modeler dans un gobelet. La magie de l'Alilucraft doit maintenant opérer. Et... tadam! Plein de petites fenêtres sont apparues sur la table. Certaines ont déjà pris place sur la tour. Fabrique un bâtiment plus petit. Recouvre les murs de ce fameux grès. Il est temps de peindre nos éléments. Ces fenêtres à volets sont si colorées! Elles changent complètement l'aspect de la maison. Fabrique la base d'un balcon. Il y a des balustres faites de brochettes tout le long. Recouvre-les avec des planches faites avec des touillettes à café. Peins la pièce en rouge et fais-en une autre. Et une verte et une blanche.
C'est un endroit sympa pour prendre sa tasse de café le matin. Forme un cube avec des blocs de polystyrène. Il y a un passage arqué au centre du mur. La porte est entourée de pierres. Installe une toute petite fenêtre dans le coin. Fais un bâtiment violet à 2 étages. Une porte avec des vitres courbées mène à un balcon miniature. La famille Madrigal vient ici pour bavarder avec les gens. Fais une super structure avec du polystyrène fin. Peins des brochettes en blanc. Mais c'est pas tout. Des sequins étincelants vont devenir des fenêtres. Et voici le 2e étage. Même ici, on peut regarder à travers les volets blancs de la fenêtre et dire au monde « Coucou !» Fais un cadre en polystyrène. Recouvre-le ensuite d'images imprimées de murs en grès. Ajoute 2 fenêtres côte à côte. Et, bien sûr, un toit. On a encore une partie de la maison à faire. Cette fois, il y a une porte rouge face à nous. Et une tige pour suspendre des pots de fleurs est fixée au-dessus. La famille Madrigal adore les plantes. Une énorme feuille de polystyrène va se transformer en une pelouse verte. Le pinceau, t'as du pain sur la planche. Installe la légendaire maison Casita sur la surface plane. C'est difficile à croire, mais ce bâtiment a sa propre conscience. Afin de protéger le pouvoir magique et de préserver la lumière de la bougie, les premiers membres de la famille Madrigal ont construit leur maison séparée du reste du monde, dans les montagnes. Tu trouves pas que le nid familial a l'air super cosy? Construis un balcon sur le côté. Il y a une cheminée sur le toit. La flèche sur la grande tour est étincelante. Fixe une poignée de porte magique sur la porte centrale. En la touchant, les membres de la famille Madrigal reçoivent leurs dons. Termine les détails du toit. Le soleil chaud l'a brûlé au fil des années. Cette mousse a été cultivée pour décorer la maison. La maison Casita bourgeonne de verdure. Des fleurs sont même apparues sur le toit. Saupoudre des branches séchées de spray rose. Accroche-les sur un loufa déstructuré. Le bâtiment a fleuri grâce à ses pouvoirs magiques. Il y a des arbres autour de la maison. Des buissons et de la mousse ont poussé contre les murs. Coupe la mousse en petits morceaux. Ajoute une couche de colle sur la pelouse et saupoudre-la avec. Les enfants peuvent maintenant jouer sur la pelouse verte et moelleuse. Construis un chemin menant à l'entrée principale. Couvre les fissures de peinture foncée. Et peins les dalles avec une couleur ocre. Donne aux briques un aspect plus ancien. Ajoute plein de fleurs et de plantes magnifiques. Les chemins sont faits avec du gravier pour aquarium. Il y a plein de grands palmiers autour du bâtiment. Fabrique des arbres avec du fil de fer. Peins-les pour qu'ils aient l'air d'être en bois. Une éponge et de la mousse remplaceront la cime. Et voilà un arbre de plus dans le jardin. Chaque fois qu'un nouveau membre de la famille obtient des pouvoirs magiques,
La maison crée pour lui une nouvelle pièce qui est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Au fil du temps, d'autres bâtiments se sont construits autour de la maison. Et maintenant, le manoir familial est en très bon état grâce à Mirabelle. La fille a refait vivre la magie. La ville d'Encanto est ravie. Et la famille Madrigal peut à nouveau se servir de sa magie.